Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je viens de frôler les 70 décibels, mais je peux faire mieux si vous m'encouragez. Oui. Merci. Eh bien, à la demande générale, je vais tenter les 100 décibels. Ça va pas, non? Mais il est malade, ce mec! Vous savez combien ça vaut un avion comme ça? Moi, ça va, hein? Espèce d'abruti, moi aussi, je peux crier! Allez-y! Alors qu'est-ce que tu penses du gag de la décapotable toute neuve qui se fait écrabouiller par le camion? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça, toi? Explique-moi. Mais là, la nuit, pendant que tu dors, moi je bosse, je suis perpétuellement en position de recherche de gags. Eh, hey, Molo, moi aussi je cherche, t'es gentil, hein. Ouais, l'emmerde, c'est que t'en trouves pas souvent, hein. Non, non, mais c'est pas la quantité qui compte, hein, c'est la qualité dans ce coup-là. Et puis attaque un peu parce que hier soir, c'était mou, hein, comme disait la jeune mariée. Eh, humour, ah! Allez. C'est mon sketch. C'est louche. C'est nul. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. J'ai pas de mémoire. Hein? C'est louche, ça. T'interdis de jouer ça. Quoi? T'interdis de jouer ça. Et pourquoi? Comment ça s'appelle? Je vous interdis. Mais je... Vous voyez bien que c'est interdit. Bon, Jean-Pierre, envoie-moi une poursuite sur l'emmerdeur. Ah, on fait moins le malin quand on est dans la lumière, hein. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, non, c'est... je m'excuse bien, c'est pas moi qui ai dit, c'est le monsieur à côté, là. Non, non, c'est pas moi. Hein.